Vous avez eu l'honneur de rencontrer le Premier ministre de la République, M. Clément Mwamba, qui nous a fait le plaisir de nous recevoir. En tout cas, je tenais à saluer cette démarche salutaire et citoyenne qui remonte de l'illustre. Il est parmi les hautes personnalités de la République qui tendent la main à la population congolaise, à la citoyenneté. Il est venu rencontrer les compatriotes à l'ambassade du Congo et je trouve cette démarche une démarche citoyenne et salutaire. Nous sommes venus rencontrer le Premier ministre, porteur d'un message, et nous lui sommes infiniment gré de la disponibilité qu'il nous offre. Nous, la Fédération des Pays de France, nous, la diaspora, d'avoir été reçus par Son Excellence le Premier ministre et chef du gouvernement, M. Clément Mwamba, pour que nous puissions échanger avec lui sur toutes les problématiques concernant la diaspora. Et je salue cette démarche parce qu'en effet, il est venu pour faire prendre le pouls de la population congolaise en France. Et à cet effet, nous avions eu l'occasion d'échanger avec lui de façon dynamique. Et son attention et son naturel à gérer les questions nous ont fait montre d'une personnalité qui est très proche des gens et qui écoute. C'est un ministre dynamique, c'est un ministre ouvert, c'est un ministre extraverti, c'est un ministre qui a le sens de l'écoute. C'est un ministre qui montre qu'il est le fruit de l'expérience, il est le fruit de la sagesse, il est le fruit de la maturité, non seulement politique, mais également professionnelle. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour la première fois depuis plus de 30 ans qu'un premier ministre du gouvernement congolais vient en France et surtout le climat actuel accepte de recevoir la diaspora dans toute sa diversité, puisque dans la salle nous avions et les partis politiques de la majorité présidentielle et les partis politiques de l'opposition. Nous avons également le monde associatif qui était là, les personnalités diverses qui étaient là. Donc ça traduit que effectivement c'est un Premier ministre qui a le sens de l'ouverture. Nous étions très heureux des échanges qui ont eu lieu avec lui. Nous avons abordé plusieurs questions. La première question qui m'a vraiment qui a retenu mon attention, c'est celle concernant la diaspora. Il a, lors de son discours d'investiture, parlé de l'apport de la diaspora dans la construction de notre pays. Il est le premier ministre de la Nouvelle République et de ce fait, il rentre dans l'histoire parce qu'il est le seul homme politique arrivant au pouvoir qui insère dans son programme d'action la diaspora. Nous sommes venus porter justement le message de cette jeunesse, de cette diaspora estudiantine qui a des problèmes, qui a des aléas. Et nous sommes venus aussi dire quelle était la participation de cette jeunesse au niveau de la diaspora et quel était son apport pour la Nouvelle République. Pourquoi? Eh bien parce que la diaspora est une richesse, la diaspora est une force, la diaspora est un atout. Et de ce fait, il est loisible, je dirais que c'est presque l'ultime ratio, c'est-à-dire que c'est l'ultime raison qui fasse que l'on associe cette les savoir-faire de l'extérieur de notre pays pour construire notre société. Nous sortons de là avec une grande satisfaction car le Premier ministre a été à notre écoute et nous a relevé et nous a fait comprendre combien de fois les valeurs du pays, les valeurs ancestrales doivent prôner au-delà de toutes les considérations, de tous les problèmes que nous pouvons rencontrer ici, notamment l'insécurité, la violence, qui doit être bannie, car en fait, ce n'est pas un mode d'expression démocratique. Et en effet, nous constatons, hélas, que la diaspora congolaise donne une mauvaise image des Congolais de l'étranger, puisque nous nous comportons en gangsters, nous nous comportons en bandits. À chaque fois qu'il y a une divergence d'opinion entre nous, nous allons à l'ambassade pour pouvoir casser l'ambassade qui est notre patrimoine. Nous allons à l'OGS pour casser l'OGS qui est notre patrimoine. Regardez même aujourd'hui, ce matin, avec la présence même de Son Excellence le Premier ministre, eh bien, des voyous, des bandits sont allés attaquer le directeur de l'OGS. Nous profitons de cette antenne là aussi pour condamner l'acte fait aujourd'hui parce qu'en venant ici, nous avons appris que M. Efenge a été agressé. Nous condamnons ces actes barbares d'une extrême lâcheté
qui n'ont pas lieu d'être parce que nous estimons que nous sommes congolais et que comme nous avons des pommes de discorde, le dialogue serait la meilleure des voies et non la violence. Je dirais qu'il nous faut au Congo un nouveau contrat social. La Nouvelle République impose un nouveau contrat social. C'est la dialectique. Nous sommes un petit pays, le Congo, et nous avons besoin du Mbongi. Le Mbongi, chez nous, c'est l'arbre à palabre, comme on dit en Afrique. C'est l'endroit où tout se règle, toutes les questions, toutes les contradictions sociétales. Et pour cela, nous avons besoin de parler entre nous, Congolais, d'aplanir nos différences, de faire en sorte que nous trouvons des solutions aux problèmes qui nous préoccupent. Nous combattons le phénomène des combattants et nous les appelons à se ressaisir immédiatement. Et nous ne voulons plus que cette jeunesse-là soit stigmatisée par une minorité, cette minorité-là qui donne une mauvaise image de notre pays à l'extérieur. Je parie que nous avons en face de nous un sage, quelqu'un d'expérimenté, qui sait de quoi il parle et qui connaît bien le Congo et qui, par rapport aux espoirs que nous avons pour notre pays, la consolidation de la paix, le développement et la concorde nationale, je pense qu'il remplit les conditions de ce postulat que nous avons depuis des lustres dans notre pays. Le Congo a besoin de tout ses fils et toutes ses filles. Et donc, que l'opposition, que la majorité présidentielle, nous avons besoin d'être ensemble pour construire notre nation. Nous avons besoin de travailler ensemble, donc qu'on est encore. Nous avons besoin d'échanger, nous avons besoin de discuter, nous avons besoin de construire un corpus qui réunirait tous les fils de la nation et toutes les filles de la nation afin que le Congo soit gagnant. Parce que nous avons besoin de nous mettre ensemble, de mettre une synergie qui va justement nous accompagner à œuvrer pour le bien de notre pays. Donc nous avons abordé ces problèmes et nous étions très 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 contents du retour qu'il y a eu, des propositions concrètes qui ont été faites par son Excellence le Premier ministre, M. Clément Mwamba, notamment sur l'aspect de la sécurité, en disant qu'il serait intéressant effectivement que le gouvernement congolais puisse demander au gouvernement français d'appliquer la notion diplomatique de la réciprocité. Et c'est parce que nous voulons œuvrer pour le bien de notre pays que nous devons nous rassembler. Pour ce faire, j'inviterai tous les amis jeunes avec qui nous avons pris contact en Italie, en France, en Hollande et autres. Et il a pris à cœur toutes mes préoccupations et dans l'espoir que par rapport à tout ce que nous avons échangé, il nous revient ici en tant que responsable de la Fédération de France, de traduire dans le frais par rapport au congrès qui pointe à l'horizon, de quelle façon nous pouvons apporter notre contribution dans le cadre du soutien du programme du chef de l'État, la marche vers le développement. Alors, j'ai remarqué plutôt que le Premier ministre Clément Mwamba est une personnalité qui, semble-t-il, très proche des préoccupations des citoyens, un homme qui aborde les questions à bras-le-corps, qui est naturel dans la façon d'aborder les questions que nous lui avions posées et qui me paraît dynamique dans la façon d'atteindre les objectifs que lui sont alloués par le chef de l'État. Ah non, moi j'ai dit vraiment que c'est pas trop bien.